En janvier dernier, Martina Navratilova annonçait être atteinte d'un double cancer de la gorge et du sein. Plus de 6 mois après, la légende du tennis vient de donner des nouvelles de son état de santé. Bonne nouvelle pour les nombreux fans de Martina Navratilova, la légende du tennis semble aller beaucoup mieux. Il faut dire qu'il y avait de quoi s'inquiéter pour la championne, qui annonçait en début d'année être atteinte d'un double cancer de la gorge et du sein. Dans un message publié sur son compte Twitter le 19 juin, elle a annoncé une très bonne nouvelle à sa communauté. Après une journée pleine de tests, tout va bien. Merci à tous les médecins, infirmières, magiciens des protons, etc. Quel soulagement, écrit-elle, forcément très heureuse de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Preuve que ce combat n'a pas été simple pour l'ancienne joueuse de tennis, elle ajoute les hashtags bye bye cancer et FCK cancer à la fin de son tweet. C'est une très bonne nouvelle pour Martina Navratilova, tant l'annonce de son cancer a eu l'effet d'une vraie secousse dans le monde du tennis. Début janvier, celle qui est mariée à la belle Julia Lemigova, connue pour être l'une des plus grandes championnes de l'histoire, a annoncé qu'elle était atteinte d'un double cancer de la gorge et du sein. Ce double coup dur est sérieux mais encore réversible. J'espère une issue favorable. Ça va puer un moment, mais je vais me battre avec tout ce que j'ai, expliquait-elle, dans un communiqué cité par l'AFTA, Association des joueuses de tennis, note de la rédaction. Un cancer détecté à un stade précoce, une bien triste nouvelle pour la championne originaire de Prague, en République tchèque et naturalisée américaine à partir de 1981. CIST d'ailleurs en octobre dernier, lors des finales du tournoi AFTA de Fort Worth, où elle réside, qu'elle a senti une boule dans sa gorge. Après avoir effectué des tests, le verdict est tombé le mois d'après. CIST alors que les médecins ont découvert un cancer de la gorge de stade 1, puis un cancer du sein de stade 1, explique Martina Navratilova dans le même communiqué. Des cancers pris à un stade précoce et visiblement, la championne a très bien réagi au traitement, ce qui a mené à la bonne nouvelle qu'elle vient d'annoncer à ses fans sur les réseaux sociaux. Désormais guérie, Martina Navratilova peut donc penser à l'avenir sereinement.